Et bien le bonjour à tous et bien le bonjour à toutes et bienvenue aux nouveaux arrivants et arrivants qui nous abonnez à la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on repart sur Farmer Dynasty pour commencer un petit peu la rénovation de la maison et du poulailler parce que ça en a un petit peu besoin. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, dans la joie et la bonne humeur, que vous allez bien et tout ça. Quant à moi, je suis un petit peu malade, je suis un peu enrouillé. C'est qu'à le dire. C'est un petit peu enroué là, mal de la gorge, tout ça. Sinon, madame est à côté de moi, elle attend de boire son café. Bonjour tout le monde. Ah, quand même. Ouais. J'ai bien appris ça, vous avez vu ça? Écoute, hein, on doit y aller à l'œil. Non, ouais, non. Je la taquine un petit peu, ça change un peu. Non, non. Être comme ça dans un couple. Savoir taquiner un peu hein, dans la vie. Non, non chérie. Mais toi, c'est tous les jours. Oui, ben. Hein. Bon, d'accord. Je te ferai la gueule alors, c'est tout. Ben non. C'est pas comme ta mère et son mari. Voilà. Bon. Le toit des poupoules est fait. On continue. Non. Oh là. Eh ben. On va faire ça, comme ça, les prochaines vidéos, dès qu'on aura un peu d'argent, on va commencer à s'acheter des poules. Des poules à plumes, bien évidemment. Hein. Oui, qui ont Médor qui est un petit peu jaloux, là. Jalouse. Et vaut mieux que. Ouais, vaut mieux. Vaut mieux pour mes abatis. Mon porte-clés, là. Oh, ouais. J'appelle comme ça parce que moi je fais 1m78 et ma femme fait 1m50. 60. 1m60. Ouais, les bras levés, ça pointe des pieds. Non. Avec ses talons. Non. C'est pour ça qu'elle compense avec des talons finalement. Ah, elle est tellement petite. Ah oui. Courte patte. On est toujours comme ça le matin. Enfin, surtout moi. Oui. Bon, c'est ce qu'elle adore, ma femme aussi. Ma femme, elle adore que je la fasse chier. Elle s'ennuierait, la pauvre. Non. Voilà, le poulailler, il est fait. Maintenant, on va s'attaquer aux plus grosses œuvres. C'est, qui veut dire, la mémé, la zonzon, la maison. Voilà. Au secours, hein. Bon, on va se mettre en vue ingénieur parce que vous voyez, il y a du bidot. Il y a du bidot, du glouglou. Hein. Voilà, comme ça. Pour la prochaine fois, au moins, on pourra attaquer les choses sérieuses. On pourra attaquer les champs. Commencer à démarrer les serres. On pourra faire plein, plein d'autres choses plus intéressantes. Essayer de gagner un max d'argent. Aller à la pêche. Aller à la pêche, c'est pas la pêche au thon. Oh, ben quoi, tu te sens visé? La façon dont tu le dis, oui. Oh, ben bleu, autre chose. Vous avez vu quand Oui, qu'elle est? tu connais, hein. Ben non, du tout. Ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble, mais non, non, du tout, tu me connais pas, hein. Et si. Vous avez vu, pourtant, je l'ai pas visé. Hein. J'ai pas visé du tout et. Elle se sent visée. Bon, pas grave. Tant qu'elle se sent visée, qu'elle se sent pas. Non. Voilà. Bon. C'est bientôt fini, ça. On va faire la petite maison. Et voyons. Vieux béton ciré, merci, quoi. Voilà. Du béton ciré, autant prendre ma femme. Oh. Ma femme, elle est vieille. Oh le chieur. Oh là là là. Ah ben. Bah. Faut bien l'embêter un peu. Elle est dans son coin toute seule, elle dit rien, tout ça. Elle dit pas un mot, rien et tout, donc autant l'embêter. Bah voyons. D'accord.
La vérité, non? Tu t'ennuies toute Non, seule. je m'ennuie pas. Bah si, gars, tu sors ton ordinateur, tu fais rien. Ouais, que c'est 1,50 m. 1,60 m. Non, c'est ce qu'elle dit, mais c'est pas vrai. Fait Là, 1,50 m. si, 1,60 m. Je connais par cœur, donc vous inquiétez pas. Pour être précise, 1,61 m. Ouais, bah ça, les 1, merci quoi. C'est pour demain, ça. On va te mesurer avec tes talons aiguilles, alors ça. Ah non, Vas-y, j'avais là. pas de talent à l'époque. Bien sûr. Fais croire, hein. Ouais, bah. Ah, donc la maison est presque finie. On va faire un petit tour sur le toit. Oh là. Là, vous découvrez un coffre qui est fort. Donc attention, faut être costaud. Hein. Il n'y a rien dedans. Ah, ça, vous saurez pas ce qu'il y a dedans. Attention, c'est un coffre qui est fort, donc il faut être costaud. Hein. Ceux qui sont faibles, ils pourront pas avoir le coffre fort. Oh. Hein. Mais bon, là, c'est pourri comme blague. Ouais, c'est pourri. Mais c'est pas grave. Au moins, je me fends la gueule tout seul. Voilà. Waouh, quand je m'ennuie pas. T'as bien raison. Ça moins. Laisse tranquille dans mon petit coin. Avec ma femme, on s'amuse. On Bah s'éclate à faire des vidéos. Ça fonctionne, les vidéos, c'est bien. Ça fonctionne pas, c'est bien aussi. merci. Oh. Je m'arrêterai plus avec ça. Ça vous plaît pas, c'est pas grave. Ça vous plaît, tant mieux. Moi, je fais ça. Pour mon plaisir avant tout. Voilà. Normalement, la maison aurait dû être finie quand ça se fait qu'elle est. Mais. Ah, tu m'as descendu. Bah oui. Normalement, elle aurait dû être finie la maison. La chambre? Ah non, c'est la porte. Toujours pas? Foutez-moi là. Ah d'accord, là. Et c'est pas encore fini. Mais c'est pas vrai ça. Bah, je me suis mis en vue ingénieur pour voir plus mieux. Comme ça, on voit les murs qui sont rouges ou le sol. Et pour moi, il n'y a rien du tout. Ah, c'est là. Je me rappelle plus qu'il y avait une salle de bain au rez-de-chaussée, ça y est. Enfin, une salle de bain. J'irai pas me laver là-dedans. La tronche à la baignoire. J'irai la tronche à ma femme. Oh, hey, ça va, oui. J'adore la charrie, ma femme. C'est plus fort que moi, je peux pas m'en empêcher. Non. Je m'ennuierais sans ma femme, sincèrement. Je vous le dis franchement, sans ma femme, je m'ennuierais. Mais j'ai tellement entaché ma vieille carriole. Et on s'attache à ces femmes-là. Hein. Normal, hein. Voilà, hein, enfin, la maison est finie. Pousse tout, tout. Je vais laisser l'échafaudage. On va faire au moins les palissades. Ça sera fait. Parce que ça va falloir du bois. Enfin, des planches. Et on n'est pas dans Lumberjack, donc les planches, faut les acheter. Lumberjack, il n'y a plus de mise à jour depuis un bon bout de temps. Donc super. Génial quoi. C'est un jeu que je commence à me mettre dedans, mais bon, à force, à bout d'un moment, ça devient un peu trop répétitif. Dès que vous avez tout, vous n'avez plus grand chose à faire en fait finalement. Après, hein. Hein, c'est malheureux. Attends, il y avait des. Au début, quand ils l'ont sorti, il y avait des camions, il devait y avoir un camion grumier, tout ça. Il devait y avoir plein de choses à faire. Et finalement, ils ont retiré tout au fur et à mesure. Pourquoi, on ne sait rien. C'est un peu comme le jeu qui va bientôt sortir, Alaska Truck Simulator. Bon, c'était Alaska Truck Simulator. On voyait qu'on pouvait aller chasser tout ça,
Et depuis qu'ils ont changé de nom, j'ai pas l'impression qu'on va pouvoir faire la même chose que sur l'autre jeu. Chasser, avoir des ennuis sur la route. Tout un tas de problèmes. Enfin, il sort le 18. À l'heure où la vidéo sortira, le jeu sera déjà sorti. À voir ce que je vais le prendre ou pas, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. C'est à voir. On verra bien ce que ça va donner. Et on verra tout ça à ce moment-là. S'il coûte pas, bien évidemment, une blinde. Ce genre de jeu-là risquerait de coûter une blinde. Parce que, à mon avis, depuis le temps qu'il doit sortir, franchement, bravo quoi. Hein. Je n'ai pas fait de vidéo sur TF Simulator parce que je l'ai testé de mon côté, en off. Et sincèrement, j'ai fait très vite pour le rendre. En moins de 2 heures, je l'ai rendu parce que l'histoire est incompréhensible. On comprend rien du tout. Le pourquoi du comment. Pourquoi que le bonhomme au début, il y a des bandits qui veulent rentrer chez lui pour le tuer, on ne sait pas. On n'en sait rien du tout. Ou comment c'est directement comme ça, c'est à la fin, le bonhomme se fait abattre par un mec qui est carrément sur le toit d'une maison, le mec il est à peine visible. On va dire ça comme ça. Génial. Et l'autre il voit rien, vas-y, il se promène. Là, 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 bim, enlevé. Ah, bon. Super. J'ai vu ça, je me suis dit, sans façon, merci, au revoir. Oh là non, trop c'est trop. Alors, j'ai pas été jusqu'à la fin, bien sûr. J'ai vu une vidéo d'un youtubeur qui a fait la fin. Et quand j'ai vu ça, oui. Sincèrement, je préfère le premier. Bon, le premier est plus détaillé. Il y a une histoire, tout ça. Non, il m'a pas plu du tout. Franchement, sincèrement, ouais, le premier m'a pas plu. Le deuxième, je veux dire, désolé. Deuxième, il m'a pas plu du tout. M'intéresse pas. Enfin, il faut des pour et des contre, c'est normal, c'est comme tout. Il faut du positif. Il en faut pour tout le monde et pour tous les goûts. Génial. Ça, j'adore. Il y en a qui vont aimer, il y en a d'autres qui vont pas aimer. C'est un peu comme tout, hein. Un peu comme pareil comme Starfield et tout ça, il y en a qui vont aimer le jeu, d'autres qui vont pas l'aimer. C'est ça, c'est la vie. Et ouais, c'est la vie, c'est comme ça. On peut pas avoir tous les mêmes goûts. Voilà, tout simplement. Voilà. Enfin, et voilà. Normalement, il n'y a plus rien à faire dans le corps de ferme. Donc l'échafaudage. L'échafaudage dégage. Partir à l'autre échafaudage là-haut. Avec les rustines sur le toit, ça fait super beau. Voilà, 20 000 de points sociaux. Voilà. Bon, ça, il faudra juste des planches neuves. Pour l'instant, on n'est pas Crésus. Hein. On va ramasser du métal. Faire les gouttières de la maison. Parce que c'est un petit pneu rouillé. Hein. On va juste dire un petit pneu. Hein, parce que là, hein, tout moi là. Je clique, ça y est, il n'y a plus de plaque en métal. Non. Et oh, c'est quoi ce délire? Ouais, c'est un peu comme ce jeu là. Hein. Il y a des sacrés bugs et le groupe Dynasty ne font pas grand chose pour réparer les bugs. Hein. Faut dire ce qui est vrai. J'ai eu des véhicules qui s'amusaient à passer, à tourner, à rouler dans les champs, tourner en rond, se retrouver dans la flotte, ressortir, c'est cela. Et la surprise, c'est
J'ai ces messages sur leur Discord. En fait, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent, donc autant pour eux. Autant pour eux. On va voir, on va aller jusqu'au maximum du jeu. Et puis voilà. Hein. Voilà, ça fait quand même plus beau d'avoir une maison avec une gouttière plus propre. Ah, non, là pour une fois, ça bug pas. Le camion il passe tranquillos. Étonnant. Mais tu sais, ces fourgons-là qui tournent dans tous les sens, ils tournent n'importe comment. Que j'ai déjà eu à faire. Vraiment, ils tournent en rond. Ils rentrent dans les murs, dans les palissades. Ils foncent dans tout. Et là, pour l'instant, ça a l'air d'aller. J'ai bien dit pour l'instant. Voilà. On va voir. Non, non, ça m'étonne. C'est étonnant ça. Ça m'étonne, Charles, ça m'étonne. Pourtant, j'ai pas vu de mise à jour du jeu pour l'instant. J'ai rien vu du tout. Donc, il n'y a pas eu de mise à jour du jeu. Il n'y a rien eu du tout. Bon. Vaut mieux pas chat comprendre. Et voilà, les gouttières sont faites, et moi je vais bien descendre. Voilà. Oh l'eau. Et ben. Voilà. Et voilà, ça fait déjà plus mieux comme ça. Et voilà les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Au moins on aura tout restauré, tout rénové, tout réparé. Bien évidemment, on aura tout fait. On est tranquille. La prochaine fois, on essaiera de gagner un peu d'argent pour commencer, parce que là, on a que 7800 d'euros. On va essayer de gagner plus d'argent pour essayer au moins d'acheter quelques poules pour commencer. Parce que quand on est nourri, c'est bestiole. Poules, nourriture pour poules, 100 kilos, 10%. Ah oui, en plus, faut acheter la nourriture, super. Bon. Et va vache. 70%. Donc, on verra bien, hein. On verra bien tout ça. Dans la prochaine vidéo, combien coûtent les vaches, combien coûtent les poules. Et on verra à ce moment-là. Bon, voilà les amis. Bon, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un max pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche et de partager si le cœur vous en dit. Bon, ben, j'ai mon porte-clé qui est à côté de moi. Eh bien, à bientôt. Bonne journée. Ciao.